Ça tourne à plein régime. Ici, au centre de recherche agricole Coton et Fibres au Nord, basé à Parakou, à près de 500 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Cette structure, sous tutelle de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, abrite l'une des trois unités pilotes de fabrication de panneaux de particules. Le joyau est implanté dans le cadre du projet de valorisation des tiges de cotonnier dans la fabrication de panneaux de particules Vaticop. Les débris du cotonnier, dont la gestion après récolte, constituaient un casse-tête, aussi bien pour la recherche, les paysans que pour l'environnement, peuvent être transformés ici. Broyage, vérification de l'humidité des particules issues de cette première opération pour s'assurer du niveau optimal de leur qualité, puis c'est le tamis, indispensable à la séparation des deux formes de particules attendues, les grosses et les fines. On pèse les quantités, 220 g de grosses particules et 512 g de particules fines. Ces quantités de matière pesée nous permettent de fabriquer un panneau de 12 mm d'épaisseur, de côté 30 cm sur 30 cm sur 30 cm. Pour faire le mélange, nous utilisons un liant synthétique de la colle. Je vais peser la quantité de liant nécessaire pour les 512 grammes de matière fine. 250. Les particules fines constituent les seigneurs des panneaux. Donc c'est pour ça qu'on les a scindés en deux, pour qu'il y ait un en bas et qu'on va mettre les grosses particules, l'autre va fermer. Du bas vers le haut, fines et grosses particules sont soigneusement entassées pour offrir à l'agrégat final une belle forme. Présent, les machines prennent le relais. À chaque épaisseur de panneau qu'on veut fabriquer correspond des barres. Il y a des barres de 9 mm, des barres de 12 mm et des barres de 18 mm. Comme c'est un panneau d'épaisseur 12 que nous voulons fabriquer, nous utilisons des barres de 12. Vous allez comprendre maintenant quand ça va presser pour que le pressage se limite à 12. Et ça ne fonce pas en dessous. La minuterie est ensuite lancée et en fonction de la programmation en option manuelle ou automatique, l'agrégat passera sous pressage un certain nombre de minutes sous ce dispositif sous 150 degrés et 180 de pression avant d'être relâché. Le produit fini qui en sortira, donc un panneau de particules à base de tiges de cotonnier, aura les dimensions choisies dès le départ. Un nouveau pas dans l'avancée technologique sur fond d'innovation, axé sur de la valeur ajoutée, vient ainsi d'être franchi. Nous avions par le passé l'habitude de brûler des tiges de coton. Non seulement on perdait de la matière, on agissait de façon négative sur l'environnement, mais c'est qu'on brûlait de l'argent. Grâce à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et au Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole COURAF, les chercheurs béninois, togolais et maliens viennent sous la coupole des institutions de recherche de chacun de leur pays de donner de la valeur à ce déchet qui encombrait hier, mais qui se transforme aujourd'hui en opportunités stratégiques et d'affaires. Sur la base de toutes les opportunités que nous offrent les produits dérivé des tiges du cotonnier aujourd'hui. Il va de soi d'être fier que, en fait, nous dormions il y a longtemps et maintenant nous nous sommes réveillés.
pour mieux gérer notre environnement et valoriser tout ce qui est autour de nous. Si un pareil exploit, vieux sous d'autres cieux, vient à toucher l'Afrique de l'Ouest, et singulièrement le Bénin, le Togo et le Mali, c'est assurément parce que les gouvernants actuels, pour le cas précis du Bénin, donnent de la valeur au potentiel humain. Toute chose qui fouette le goût de recherche et d'innovation. Ces hommes et ces femmes, l'Institut national de recherche agricole du Bénin, qui occupe une place de choix dans le système de production des biens et services, nous donne l'occasion de faire découvrir au monde entier que désormais, depuis Parakou, on peut produire des panneaux à particules à base de tiges de cotonnier. D'autres sources de revenus aux cotonculteurs béninois. Au-delà de l'ingéniosité des chercheurs qui est ici révélée, c'est cette plus-value au profit des cotonculteurs qui force l'admiration. Leurs efforts de production génèrent dès à présent des panneaux de particules, des matériaux composites qui entrent à leur tour dans la fabrication de beaucoup d'objets côtoyés tous les jours. Autrefois considérés comme encombrants, les débris du cotonnier ne doivent donc plus être négligés. Ces tiges-là peuvent être broyées et être utilisées soit seules, soit en combinaison avec les scieurs de bois pour faire ce que nous appelons les panneaux de particules. Et c'est ce que le CORAF, l'UMOA, ce qu'ils ont vu et ils ont accepté donc de financer ce projet de valorisation des tiges de cotonnier. La hantise des paysans et des chercheurs face à la lenteur de la dégradation des tiges de coton, du fait de la lignine qu'elles contiennent, peut désormais s'estomper, laissant place à une nouvelle ère. Les chercheurs de ces pays se sont réunis et ont travaillé sur comment broyer les tiges, comment faire des combinaisons avec les technologies qui existent ailleurs pour faire des panneaux à particules. Comment est-ce qu'on peut associer les artisans pour en sortir des produits de qualité? Et pour faire ça, dans chacun des pays, il y a eu un comité de coordination du projet. Donc pour le Bénin, c'est l'INRAB et c'est le cluster qui travaille sur le coton qui a apporté donc cette coordination. L'esprit d'ouverture dont a fait montre cette structure lui a valu l'acquisition de cette unité pilote installée à Parakou dans le cadre de la mise en œuvre du projet de valorisation des tiges de cotonnier dans la fabrication de panneaux de particules Vaticop. Et pour conduire les travaux avec efficience, une plateforme multi-acteurs a été installée, composée de représentants des cotonculteurs, des artisans de bois, des équipementiers, des industriels de bois et des quincailliers. Cette plateforme a acquis de nouvelles compétences. Premièrement, nous sommes partis en Inde pour aller voir la technologie là-bas. Parce que là-bas, ça existe déjà. On a vu la manière dont ces gens utilisent les tiges de coton pour réaliser des meubles. Et c'est comme ça qu'on a commencé les essais et j'ai vu que on peut faire beaucoup de choses avec. Et moi, je suis très content que dans notre pays, nous avons commencé par réaliser des choses pareilles parce que c'est déjà casse-tête pour nous, parce qu'on ne trouve plus du bois. Les chercheurs ont aussi bénéficié dans la fabrication des panneaux à particules. Et après, il nous est revenu, nous chercheurs, de tester différentes combinaisons pour voir les plus optimales pour ces panneaux à particules. Comme on peut donc le deviner, les 4 années de mise en œuvre du projet de valorisation des tiges de cotonnier dans la fabrication de panneaux de particules Vaticop ont été bénéfiques à plus d'un titre. Je suis heureux que nous ayons sorti dans un élan de compétition entre le Togo, le Mali et nous. On a pu sortir des produits. On a pu mettre en place une plateforme multi-acteurs fonctionnelle. C'est ça d'abord. Nous devons être ensemble avec des profils diversifiés pour accepter de monter une technologie et se l'approprier. Si nous avons fait ça ensemble, ce qui va être très facile de faire la diffusion. Plusieurs résultats élogieux ont été obtenus grâce à la mise en œuvre du projet Vaticop dans les 3 pays bénéficiaires. Des acquis qu'il n'est pas superflu de rappeler. Comme principaux acquis, une technologie de fabrication de panneaux de particules à base de tiges de cotonnier est développée avec 9 combinaisons, utilisant soit seulement les tiges de cotonnier, soit seulement des scieurs de bois, soit seulement des pailles de riz, c'est insoupçonnable, mais c'est vrai, ça marche. Ou alors des combinaisons 2 à 2 de ces matériaux.
ou même la combinaison des trois. Ça a été testé au Mali, je crois. Il y a eu trois unités de fabrication de panneaux à particules installées. Donc une unité ici à Parako que vous avez en face, nous en visitons tout à l'heure. Mais il y en a eu dans les autres pays aussi. Il y en a eu au Mali, il y en a eu au Togo. Il y a eu 7 meubles et articles fabriqués à partir de panneaux de particules à base de tiges de cotonnier dans les 3 pays. Il y a eu 2 articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues internationales. Ça valorise les chercheurs, ça valorise la science. Ça veut dire que de ce travail, nous avons montré notre contribution à l'évolution de la science. En 4 années de mise en œuvre, Vaticop a tellement comblé les attentes qu'il est à souhaiter que ces acquis soient préservés, voire pérennisés. Il faut arriver maintenant à la pré-vulgarisation de ce que nous avons fait. Il faut impacter beaucoup d'autres acteurs. Ceux qui ont travaillé sur les matériels utilisés ou sur les équipements utilisés pour aller à la fabrication de matériel doivent maintenant combiner et composer des matériels identiques ou plus performants à tester à un niveau plus grand afin que nous puissions avoir des portes faites à base de panneaux de tiges de cotonnée. Cette étape-là, lui et moi, l'AFD, doivent encore souffrir de nous aider à le faire sur un calendrier qu'on va convenir. Soyez-en fiers. Pour continuer de se targuer de cette fierté, et surtout pour maintenir vivace la flamme de l'espoir que Vaticop a allumée, il est donc nécessaire d'accompagner les artisans locaux, les industriels de bois, afin de créer plus d'emplois et de procurer des revenus additionnels aux cotonculteurs avec la mise en marché des tiges de cotonnier. Les équipements qui ont permis de faire cela, vous les avez vus, vous avez étudié. Quelle adaptation on peut faire? Comment nous-mêmes on peut en fabriquer? Qu'est-ce qu'on va importer juste comme pièce, mais les autres choses de l'agrégat, comment on peut les faire? Combien mal? Est-ce que vous m'entendez? Il faut faire ça. Il faut développer le génie local pour faire plus fort, plus grand et mieux. Il y a quelque chose qui s'est produit à Pébier, au Crassière. Allez-y voir pour vous en convaincre. L'espoir est donc permis et pour cause. Les artisans auront désormais de la matière pour travailler, ce qui réduira la pression anthropique sur les forêts à la recherche du bois de fabrication des meubles. Les importations massives de panneaux de particules pourront être réduites, entraînant une amélioration de la balance commerciale du Bénin. Dans cette même veine, la mise en place d'un plan efficace de communication, adapté à la diffusion, à la vulgarisation de cette technologie, s'impose. La présente journée porte ouverte lance d'ailleurs déjà les jalons dans ce sens. Reste qu'une synergie d'action des parties prenantes s'enracine davantage pour des perspectives beaucoup plus heureuses avec l'adoption de cette nouvelle technologie.